Liam Noor accusé par son ex Vincent, elle aurait enlevé leur fils Evan. Son fils, Liam l'aime plus que tout. Fruit de ses amours avec Vincent Miclay. Le petit Evan, né le 7 juin 2016, vit la plupart du temps avec sa maman, dans le sud de la France. Où elle a élu domicile depuis de nombreux mois. Le 17 septembre dernier, l'ancienne candidate de Secret Story se confiait sur sa vie sentimentale. En évoquant le père de son fils unique, qui vit, quant à lui, au Maroc. Si elle est séparée du riche homme d'affaires. L'ancienne meilleure amie de Nabila a confié à Mathieu Delormeau qu'elle continuait de côtoyer le père de son enfant. Même la semaine où je ne suis pas censée être avec lui, je vais souvent là-bas. A-t-elle confié tout en précisant qu'elle prenait un hôtel ou un riad pour ne pas avoir à entrer en contact avec Vincent Miclay. Si les relations entre les deux ex semblent au beau fixe, l'homme d'affaires franco-béninois a mis en ligne une publication sur son compte Instagram. Selon ses dires, la chroniqueuse de TPMP People aurait kidnappé leur fils. Mardi 15 novembre, l'ex-compagnon d'Yama a partagé un message à charge contre la maman de son fils Evan. Lundi matin, après avoir déposé mon fils à l'école américaine, sa maman Yem Noor en complicité avec sa mère Farida l'a enlevé de l'école sans mon consentement. A-t-il commencé, mort d'inquiétude. L'homme d'affaires a ensuite confié qu'il n'aurait, pour l'heure, aucune nouvelle de son fils, dont il avait la garde. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Nous n'avons aucune nouvelle de Evan, a-t-il continué, avant d'informer qu'une plainte a été déposée aux autorités marocaines. D'après les dires de Vincent Miclay, son fils se trouverait toujours sur le sol marocain. Désemparé par la possible disparition de son fils unique, l'ancien compagnon d'Yem Noor a demandé de l'aide aux internautes pour tenter de retrouver son fils. Quiconque puisse le voir ou le localiser, veuillez s'il vous plaît m'en informer. Merci, a-t-il conclu. Le blogueur Akabap n'est pas resté insensible à l'appel à l'aide de Vincent Miclay. Je relais, a-t-il écrit dans la foulée. Pour l'heure, Yem n'a pas réagi aux accusations de son ex-compagnon. Cliquez ici pour découvrir la publication de Vincent Miclay.